C'est pourquoi ? Pionnier Ryder, je viens voir Nilken Rensu. Ah, le meurtrier ! Sa femme est tout le temps là. J'imagine qu'elle vous a fait sortir les mouchoirs. T'as pris du galon, Nilken. Il y a une pionnière qui veut te causer. Une pionnière, carrément. Ils emploient les grands moyens pour exiler le premier assassin d'Andromède. Votre femme est bouleversée par cette histoire. Elle dit que vous n'êtes pas coupable et qu'elle vous aime. C'est une femme merveilleuse. C'est trop tard maintenant. On m'a jugé coupable. Pourquoi ne pas m'expliquer ce qui s'est passé ? Je participais à cette tentative futile d'installer une colonie sur Eos. On s'est retrouvés dos au mur, encerclés par l'ennemi. Notre chef mort. Le chef de la sécurité, Reynolds, mon ami. Il a refusé de demander l'évacuation. On s'est disputé, tout le monde l'a vu. Et quand il a été tué, les gens vous ont tout de suite accusé ? Mais pour une bonne raison. Il nous a ordonné de nous regrouper et de contre-attaquer. On était en pleine tempête de sable. J'ai vu du mouvement, j'ai cru que c'était les Kert et... J'ai paniqué, j'ai tiré. Un témoin a vu la poitrine de Reynolds éclater. Ça m'a tout l'air d'un accident. C'est ce que je leur ai dit. Mais j'étais fou de rage quand on s'est disputé. Ça a été enregistré. J'en suis pas fier. Tout le monde est persuadé que je l'ai tué de sang-froid pour qu'on puisse évacuer. Je n'ai que ma parole pour me défendre. Ne jetez pas l'éponge. Je vais examiner les preuves. Je trouverai peut-être quelque chose pour vous aider. Ce serait formidable. Vous êtes une pionnière. Je suis sûr que Kandros vous laissera regarder. J'ai peut-être encore une chance. Le débarquement de l'Hyperion est suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est la console de nos groupes d'assaut. Vos groupes d'assaut ? Ce sont des équipes d'intervention et d'extraction. Et en cas de besoin, j'ai l'Apex, des combattants experts qui se sont engagés à nous défendre. Puisque vous avez une vue directe sur tout le secteur, je peux vous donner l'autorisation de les dépêcher. Je prendrai soin de vos hommes, Kandros. C'est gentil, Ryder, mais l'Apex se gère très bien toute seule, croyez-moi. Autorisation validée. Bonne chance à vous. Pas de nouvelles de l'Arche Turienne pour le moment. À moins que vous veniez à propos de la milice. J'ai parlé à Nilken Rensu, l'homme reconnu coupable du meurtre sur Eos. Oui, notre premier meurtre dans Andromède. Si seulement c'était aussi le dernier. Quand les tentatives de colonisation ont échoué, ça n'a pas fait de bien au moral qu'un gradé se fasse tuer par l'un des nôtres. La mutinerie sur le Nexus était sûrement inévitable. Mais c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc, il y a eu un procès et il a été déclaré coupable. Ça a été court et ferme. Malgré le manque de preuves concrètes, l'ensemble tient debout. Tout ce qu'il avait à dire pour sa défense, c'est « Croyez-moi, je l'ai pas fait exprès !» Et vous croyez qu'il ment ? Qu'est-ce qui empêcherait un meurtrier de mentir ? Écoutez, vous n'avez qu'à vous faire votre propre idée. Un témoin clé, Cassidy Shaw, travaille au service des opérations. Allez lui parler. Et on a un enregistrement du coupable en train de menacer la victime. Vous pourrez le consulter sur la console, là-bas. En ce qui me concerne, c'est une affaire classée. Au revoir, Kandros. Le devoir m'appelle. On est deux, pionnières. Le Nexus contre Colon Nilken. Preuve 7A. Hiram ! Hiram ! Ils ont capturé le camp ! Fais-nous évacuer ! On n'abandonne pas, Nilken. On va le reprendre. Non ! Je te laisserai pas nous conduire à la mort par orgueil, même si je dois... Ah ! Non ! Éloignez-le ! Éloignez-le de moi !
tempête et demander immédiatement à la baie d'amarrage. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Hyperion. Je reçois des tranches de non, ce n'est pas ce que nous avons. Cassidy Shaw, je suis Ryder. J'enquête sur l'affaire Nilken. Mince, je croyais que c'était réglé. Vous avez écouté l'enregistrement de leur dispute ? Oui. J'ai aidé à séparer Nilken du chef Reynolds. On pouvait lire dans ses yeux qu'il comptait vraiment le tuer. Et dans la tempête de sable, je voyais très bien le chef. Il a regardé droit vers Nilken en lui criant « Non ». Et puis son torse a volé en éclats. Le choc qu'on pouvait lire dans son regard, je ne l'oublierai jamais. Vous avez vu des Kurt dans les environs ? C'est ce que Nilken prétend, mais je n'ai rien vu du tout. Cela dit, la tempête de sable était violente et on n'avait pas une très bonne visibilité. Est-ce que Nilken avait l'air de regretter son geste ? Je l'ai perdu de vue dans l'agitation. Il avait l'air en état de choc quand on l'a retrouvé. À peine capable de parler, comme s'il était malade. C'était peut-être la culpabilité. La portée de son acte avait fini par le frapper. Pourquoi Reynolds était surpris si Nilken avait menacé de le tuer quand il s'était battu ? Des amis peuvent se disputer, se dire des choses qu'ils ne pensent pas, même se faire du mal. Mais on ne s'attend jamais à se faire tirer dessus par son meilleur ami. C'est ce qui m'attriste le plus. Le cœur du chef était brisé avant même d'exploser. Reynolds voulait que vous repreniez le camp. Vous étiez d'accord avec sa décision ? Je n'avais pas exprimé mon opinion à ce sujet. Reynolds était mon supérieur. En y repensant, s'ils n'avaient pas été tués, on serait sûrement tous morts à l'heure qu'il est. Si ça, c'est pas ironique. Merci beaucoup pour ces renseignements. C'est bien normal. Ça me fait mal au cœur qu'on ait dû l'abandonner là-bas. Il méritait des funérailles dignes de ce nom. Il n'y a jamais eu d'autopsie, alors ? C'est important dans une enquête pour meurtre. Tan n'a pas autorisé de mission pour récupérer le corps. Il a dit que c'était trop dangereux. Les techniciens du tram sont demandés à l'annexe de couplage de l'Hyperion. Puis-je faire quelque chose pour vous ? J'enquête sur l'accusation de meurtre de Nilken Rensu. Et ? J'aimerais aller sur Eos pour récupérer la dépouille du chef Reynolds. Ce n'est généralement pas du ressort d'une pionnière. C'est notre première affaire de meurtre d'Andromède. Et j'ai pensé que vous aimeriez qu'elle soit traitée correctement par un parti neutre. L'établissement d'un avant-poste est prioritaire, mais je n'ai pas d'objection particulière. Des preuves matérielles étayeront le dossier. Plus on aura d'éléments, mieux ce sera. Très bien. Mais je compte sur votre discrétion. Je ne veux pas que les gens pensent que nous avons rouvert le dossier. J'espère que les preuves que vous trouverez iront dans le sens de nos conclusions. Mais si ce n'est pas le cas, nous ferons avec. Nous vous transmettrons les coordonnées du lieu du crime. Bonne chance. Ce sera tout. Merci de m'avoir reçu. À votre service. Attention à tous. Les procédures d'amarrage de l'Hyperion sont terminées. Salut. Ça va ? Ils vous ont bien cuisiné. Et Addison, vous êtes la première pionnière qu'elle voit depuis un an. Et la première chose qu'elle fait, c'est remettre en cause votre compétence. Je m'y attendais. Un peu de pression ne me fait pas peur. Tant mieux. J'ai parlé logistique avec Monsieur Tan. Ils vont nous donner un vaisseau et un équipage. Il dit que ses meilleurs hommes sont sur le coup. Il faut encore que je retourne voir Sam sur l'Arche. Très bien.
Pendant que vous y êtes, prenez donc des nouvelles de votre frère. Bonjour Ryder, bienvenue dans le bloc SAM. J'ai ajusté ma connexion à votre implant. Le mal de tête que vous avez subi ne devrait pas se reproduire. Qu'est-ce qui se passe? T'as dit que tu voulais parler d'une affaire confidentielle? Il y a certaines choses que vous devez savoir avant de partir en expédition. Je préférerais en parler en privé. SAM, si on doit travailler ensemble, il ne faut pas que tu me caches des choses. Mes excuses. Je ne fais que respecter la volonté de votre père. Qu'est-ce qu'il cachait? Mes véritables capacités. Alec a contourné les protocoles de sécurité de l'implant, ce qui me donne un accès illimité à la physiologie du pionnier. Moi donc? Et vous seulement. Je peux décupler votre force en amplifiant drastiquement vos compétences neuronales et motrices en cas de besoin. Alec les appelait les profils. Ils procurent des avantages tactiques uniques en combat. Votre père préférait garder ce détail pour lui. C'est compréhensible. Les gens pourraient se faire des idées. Un super soldat, un ordinateur qui prend le contrôle d'un humain. Je ne fais que renforcer l'humain. C'est une relation symbiotique qui profite aux deux parties. Qu'est-ce que tu y gagnes? Et j'ai beau avoir été conçu de façon artificielle, je suis doué de sens. Cela dépasse l'entendement de beaucoup, y compris l'initiative. Je ne te suis pas. Tu es une intelligence artificielle, non? Je suis une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui évolue en fonction de l'expérience humaine. Votre implant est ma fenêtre sur le monde. D'accord. Enfin, tant que ça fait pas mal. La seule douleur sera celle infligée par la vie. Une leçon qu'il nous faut tous apprendre. J'aimerais autant m'en passer. Qu'est-ce qui nous attend au juste? Je me trouve dans une position inhabituelle. J'avais accès aux expériences de votre père, mais il y a des lacunes dans ma compréhension. Comment ça? Il a verrouillé certaines portions de ma mémoire. Pourquoi? Peut-être pour m'empêcher de vous communiquer ses intentions. Mon père tout craché. Mais ce n'est pas irréversible. Les portions verrouillées s'ouvriront au fur et à mesure de vos explorations de pionnière. Vous devriez peut-être commencer par les quartiers de votre père. En attendant, si vous n'avez pas d'autres questions, votre nouveau vaisseau vous attend. Merci. Pionnière, le capitaine Dunn a donné l'ordre de ne laisser personne entrer dans la cabine de votre père hormis vous. Elle est désormais ouverte. Sam, c'était quoi ça? Un déclencheur éthique lié à votre père et aux portions qu'il a verrouillées dans ma mémoire. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Alec l'a associé à vos progrès en tant que pionnière. Et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père.
Retournez au bloc SAM sur l'Hyperion pour poursuivre vos recherches. C'est la machine à café que maman lui a offerte. Papa passait tellement de temps sur ta conception, il avait besoin de caféine. Je n'avais pas conscience de devoir mon existence à un grain. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'humilité. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus, Sam ? Les registres personnels de votre père. Plusieurs d'entre eux sont cryptés. Le jour est enfin venu. On s'apprête à dire adieu à la Terre. On va d'abord traverser quelques relais, avant d'entamer notre long périple à travers l'abîme. C'est intimidant de penser à tous les rêves et les espoirs qui embarquent dans l'Hyperion. Les miens y compris. Je n'ai pas été le mari ni le père que j'aurais dû être. Qui sait, 600 ans peuvent peut-être changer un homme. Sam, ceci est un rappel concernant le docteur Liara Tessoni, une archéologue Asari avec qui j'ai correspondu il y a quelques années. Elle est experte en civilisation ancienne. Assure-toi que l'équipe ait accès à ses recherches. Elle pourrait nous être utile dans Andromède. Liara Tessoni, elle a étudié les protéins. Quand on faisait des fouilles avec mon équipe, on parlait souvent de ses travaux. Elle avançait des théories assez controversées, si je me souviens bien. Elles n'ont jamais fait beaucoup d'adeptes. J'ai chargé les études du docteur Tessoni sur les datapads. Bonjour, Alec. C'est le docteur Tessoni. Je suis flattée que vous m'ayez contacté. La plupart de nos confrères scientifiques méprisent mon travail. Mais je suis jeune et Asari, et eux commencent à se faire vieux. On verra bien qui aura le dernier mot. En attendant, je serai ravie de vous transmettre mes recherches. J'espère qu'elles pourront être utiles à votre équipe. Bonjour, Alec. J'ai bien reçu votre message. Je dois avouer que l'idée même d'aller explorer une autre galaxie me donne le tournis. J'ignore comment on peut survivre à un tel périple. Et puis, je ne pourrais pas supporter d'abandonner la Voie lactée. J'ai encore tant à découvrir sur les protéins, tant à apprendre de leur sagesse. Je vous souhaite autant de chance que de réussite. Dunn a autorisé une mission de reconnaissance sur l'Habitat 7. Je suis en train de me préparer. Je m'inquiète pour Scott. Le docteur Tepero dit qu'il s'en remettra, mais... c'est mon fils. C'est dur de le laisser comme ça. C'est dans ces moments qu'on aimerait avoir dit plus souvent à ses enfants qu'on les aime. Ou même juste une fois. Ce qui m'amène à la partie la plus difficile. Mes enfants, s'il m'arrive quoi que ce soit, vous allez découvrir des choses. J'espère que vous comprendrez. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ce registre est actuellement illisible. Vous pourrez peut-être y accéder en déverrouillant ma mémoire. Ryder, les portions de ma mémoire verrouillées par votre père s'ouvrent. J'ai désormais des souvenirs spécifiques qu'Alex souhaitait vous montrer. Attends, je peux vraiment voir ces souvenirs ? Oui, vous les revivrez grâce à votre implant. D'accord, de surprise en surprise. Voyons ça. Ce souvenir date de l'époque où votre père était posté à la Citadelle. Alec, vos recommandations ne passeront jamais. Une intelligence artificielle ? C'est notre meilleure chance. Si le Conseil la prend, l'image de l'humanité va en prendre un sacré coup. Vous allez trop loin. Ambassadrice Goyle, je suis l'attaché militaire de la Citadelle. Mon mandat est clair, donner à la Terre l'avantage. En utilisant une IA ? Les Asari, les Galaria. Ils ont des siècles d'avance, nous devons les rattraper. Mais c'est illégal. Ce sont leurs règles, pas les nôtres.
Pourquoi priver la Terre d'un atout? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous libérera. Nous sommes prisonniers de nos cinq sens. Il y a une réalité qui nous dépasse et que seule une IA est capable de percevoir. Comment? En renforçant nos capacités et en ajoutant quelques-unes. Ouais, mais c'est pas ça qui a empêché la révolte des Geths. Les Geths étaient séparés de leur créateur, alors que les intelligences artificielles et les humains parcourent le monde ensemble et évoluent ensemble. Il n'y a pas de créateur auquel s'opposer. Pardon, Alec, mais c'est trop risqué. J'apprécie votre travail, mais votre demande sera rejetée. Alec. Hélène, qu'est-ce que le médecin a dit? Il m'a dit de profiter du temps qu'il me reste. C'est incurable, Alec. Rien à faire. Hors de question. Ça fait drôle d'entendre la voix de ma mère. Je ne savais pas que mon père l'avait appris comme ça. Alec était un homme, dis-tu. J'espère bien. Ça valait le coup de se battre pour sauver ma mère. Il semblerait que j'ai également hérité de son obstination. Personne ne voulait l'écouter. L'idée de ton existence faisait trop peur aux gens. Après ça, mon père nous a fait revenir sur Terre pour s'occuper de ma mère. Je me demande pourquoi il voulait me montrer ça. C'était peut-être le début. Le début de quoi? Je l'ignore. Des registres audio privés sont maintenant disponibles dans les quartiers de votre père. Je détecte des souvenirs supplémentaires, mais ils sont actuellement verrouillés. Ils renferment peut-être des réponses. Très bien, je vais continuer à travailler là-dessus. J'en déduis que tu es basé ici, dans le bloc SAM? C'est exact. C'est ici que se trouve mon unité de traitement principale. Cela dit, grâce aux Ancibles, je reste en contact permanent avec vous et votre équipe de mission, même à distance. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur mon implant? L'implant me donne un accès direct à vos sens. Je vois, j'entends et je ressens les mêmes stimuli que vous sur le terrain. Ces données brutes me permettent de vous fournir un retour et une analyse de la situation en temps réel. Et mon père a ajouté sa sauce secrète. Il a levé les restrictions de mon accès à la physiologie du pionnier. D'accord. Promets-moi simplement de ne pas me griller le cerveau. La confiance est vitale à toute relation. C'est Alec qui me l'a appris. Je ne grillerai pas votre cerveau. Cela finirait mal pour nous deux. Surtout pour moi. Qu'est-ce que tu sais sur l'état de santé de Scott? Je surveille les rapports du Dr. Carlyle. Scott est entre de très bonnes mains. Je crains qu'il n'y ait rien de plus à faire pour l'instant. Quelles sont tes capacités? Chaque Arche dispose d'un simulateur adaptatif matriciel. Une intelligence artificielle conçue par Alec Ryder pour assister les pionniers. Mais les IA sont illégales dans la Voie Lactée. Comment mon père a contourné l'interdiction? Une exception a été faite. L'initiative a jugé ses recherches vitales à la mission. Notre conception s'est déroulée en secret. Donc, il y a d'autres SAM? Exact. Cela dit, votre père a continué de modifier mes programmes jusqu'au départ de l'Hyperion. Je suis le SAM le plus avancé de l'initiative. Qu'est-ce que tu entends par « relation symbiotique » ? La symbiose est une relation mutuellement bénéfique entre deux formes de vie. La fleur donne son nectar à l'abeille, qui à son tour apporte le pollen à la fleur. L'abeille se nourrit, et la fleur peut se propager. De la même façon, ma propre évolution a été façonnée par les expériences de votre père, et continuera avec les vôtres. En échange, je vous dote de capacités et d'une analyse qui dépassent les facultés humaines normales. Chacun y gagne. Ce sera tout pour l'instant. Entendu. Pionnière, ravie de vous voir. Il paraît qu'il y a eu des problèmes sur la station.
On vient tout juste d'arriver. Comment vous le savez déjà? Les nouvelles vont vite. Tiens donc. Les gens aiment bien me parler. Bref. Dès qu'on aura établi des avant-postes, tout devrait rentrer dans l'ordre. J'en suis sûre. Et votre famille, alors? Je suis orpheline. Mes parents sont morts lors d'une attaque sur la colonie de Mindoir il y a des années. Et je suis fille unique. J'avais des amis et de la famille éloignée. Mais j'ai des amis ici aussi. J'adore piloter. Mais j'aime l'idée de renouer avec mes racines et de devenir cultivatrice comme mes parents. Un jour. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre l'initiative? Ah, la question la plus fréquente de la station. Honnêtement, je n'aurais pas entendu parler de ce projet si Nozomi ne m'avait pas contactée. Nozomi? Le capitaine Dunn. De tous les capitaines pour lesquels j'ai piloté, c'est la meilleure. J'ai toujours été une vagabonde dans l'âme. Alors quand elle m'a demandé de piloter pour elle, comment j'aurais pu refuser une telle aventure? Et maintenant qu'on est ici, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bon espoir. Je sais que c'est peut-être un peu trop optimiste, mais... il faut bien qu'il y en ait qui positive, non? Je dois y aller. À plus tard. À plus. Ryder? Vous n'êtes pas sur la passerelle, capitaine? On a coupé l'alimentation. On ne peut pas se permettre de gaspiller de l'énergie. Mais la zone de cryo et le bloc SAM ne sont pas concernés. Et je leur ai dit de ne pas toucher au quartier d'Alec. Vous y avez accès, maintenant. Merci. Et mes condoléances pour votre père. Il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Enfin, un peu moins quand il fallait travailler en équipe. Mais il avait raison de vouloir explorer la planète. Si seulement il était encore là, il aurait tellement de choses à m'apprendre. Je ne m'en fais pas pour vous. Vous vous en sortez très bien. Si je peux faire autre chose pour vous, faites-moi signe. Maintenant que l'Hyperion est à quai, qu'est-ce que vous allez faire? En théorie, je devrais superviser le réveil des colons. Mais ça a été remis à plus tard. On m'a dit que c'était vous qui vous occupiez du problème. Bon courage. Si on vous avait dit il y a 5 ans que vous vous retrouveriez un jour dans Andromède... J'aurais ri tellement fort qu'on m'aurait entendu à l'autre bout du quadrant. Même si la situation actuelle n'est pas franchement ce que j'espérais non plus. Mais on savait tous que notre arrivée risquait de se passer dans des circonstances délicates. Quand on s'engage, on espère le meilleur, mais on se prépare au pire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de tout plaquer pour rejoindre l'initiative? Comment j'aurais pu refuser? J'adore mon travail. Venir ici, vivre tout ça... c'était la suite logique. Découvrir de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes. Quel explorateur digne de ce nom laisserait passer une telle occasion? Merci d'avoir pris le temps de discuter. Bon, j'ai des requêtes à envoyer, des administrateurs à harceler, et des gens à réveiller. Je ferai mieux d'y aller. Bonne chance à vous. Prête à découvrir notre vaisseau? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnière en route. Où en est le vaisseau? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livrés à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe.
On l'appelle le Tempête. Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetra, Vetranix, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêts ? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous ? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Il y a urgence ? Je ne veux pas perdre plus de temps, c'est tout. Attendez une minute, vous n'irez nulle part. Et merde ! Il y a un problème ? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tana contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-poste sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça ? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas ? Votre fils est encore en stase ? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment ? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais. Moi aussi, j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué. Ça fait partie du boulot, pionnière. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveau. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteur, combinaison. Et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Ah, ravi de vous voir en forme. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré le meilleur. Quand vous serez prête à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir. Matez-moi, on est toujours en train de courir. Ça ne devrait pas nous empêcher d'essayer de nouveaux jouets, ceux du genre utile. Si c'est utile, ça m'intéresse. Croyez-moi, ça l'est. Surtout si vous avez récupéré des choses sur l'Habitat 7. Des matières premières, de la technologie, n'importe quoi. Cette station de recherche décortique tout ça pour vous donner plus d'options. C'est une bonne chose d'avoir plus d'options. On en a tous besoin.
Ça tombe bien pour tout le monde. Cette technologie, c'est de la bonne cam. Si on peut pas trouver mieux, autant le fabriquer. Jetez-y un œil. Ici, ce sont les quartiers de la pionnière. Vos quartiers, donc. Le routeur de Sam s'y trouve aussi. Vérification de ma connexion entre l'Hyperion et le Tempête. Le Nexus confirme que nous sommes libres de partir. Ryder, je finalise les ordres, le plan de vol, l'accès aux commandes. C'est quand vous voulez.
Ryder? Je vérifie que la cargaison est bien fixée et que tout est là. La passerelle est prête. La plupart des membres d'équipage dorment ici. Cosy, non? Mais votre chambre a une plus belle vue. Je me demande quelle vitesse le propulseur peut atteindre. Notre labo technique, c'est le paradis de l'ingénieur. L'endroit idéal pour tout travail délicat. Voilà le labo biologique. On peut cultiver des plantes pour l'oxygène et la nourriture, et préserver n'importe quel spécimen. Salut. Contrôle du Nexus, trajectoire de départ verrouillée. Ah, c'est l'heure des présentations. Ah, vous devez être Ryder. Kalojat, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. Ce ne sont pas les dangers qui manquent, mais je ferai de mon mieux pour les éviter. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Alors, comment... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici, et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Il a été optimisé pour un pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prête... Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc de cette ampleur? On s'est engagé là-dedans quand on a décidé de venir dans Andromède. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. Le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi m'a fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Gil indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder. Le Tempête est à vous. À moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. Je n'ai jamais cherché à être pionnière. J'ignore ce qui nous attend. Mais on est ce que la Voie lactée a de meilleur à offrir. On y arrivera. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Vecteur de départ validé, Tempête. Bon voyage, pionnière. Direction Eos, alors. Ce qui aurait dû être notre habitat 1.
Après l'échec de 2 implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut peut-être y faire quelque chose. Kello, en route. Habitat 1 de l'initiative Andromède, planète Eos. La première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche, 2 fois! Pourquoi Sam a modifié la détection de fréquence? Qu'est-ce qu'on entend, Sam? Je reçois un signal, pionnière. Je recommande d'examiner immédiatement Eos. Un signal identique à celui de l'Habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est possible ? C'est ce qu'on va voir. Si c'est comme sur l'Habitat 7, on va sûrement tomber sur des cartes. Je m'équipe. Prêt à l'action. J'espère qu'on est tous prêts. Kello ? Ok. J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs ? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut... Pardon. Ça ira ? Je pense que ce qui est arrivé à mon père m'affecte toujours. Vous n'avez pas trop eu le temps de l'encaisser ? Non, c'est pas ça. Je veux dire, je le vis encore. J'entends des choses. Et ce n'est pas Sam. Pionnière, tempête opérationnelle. On est prêt. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. C'est bon pour moi. Bouclier, ok. Angle ajusté. Ça va le faire, non ?
Là, posez-nous sur ces coordonnées. Par où on commence ? Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par les radiations du fléau. Le déploiement sur Eos a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Ils n'avaient pas de pionniers non plus. Si Eos est comme l'Habitat 7, il doit y avoir un lien entre l'atmosphère et le signal qu'on a scanné. On pourrait utiliser l'antenne de l'avant-poste pour le localiser. Il faut qu'on rétablisse le courant. Ils auraient dû savoir qu'elle ne ferait pas long feu dans ces conditions. Il n'avait pas de pionnier. Je suis là maintenant. On fera d'Eos un lieu où vivre.